chers collègues, merci beaucoup et j'espère que tout le monde a bien mangé, a eu la chance de ventiler l'esprit un petit peu. Et maintenant, j'espère que tout le monde est prêt à revenir à la charge et d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, on a une autre série de séances et on va commencer exceptionnellement avec une séance plénière, une séance courte, une demi-heure. Alors, on va y aller rapidement. And instead of introducing our speaker by reading what you already have in your program, I just encourage you to read Pierre Covol's biography in the program, and that gives me a good excuse to remercier au fond du cœur l'équipe à la Société Royale du Canada, and especially Joanne Harris, who's here around you, who's in charge of us all. Joanne has done just a remarkable job, and this is part of her work with the great team at Walter House. So, but I do want to just one little personal note, un mot vraiment personnel, dans le sens que j'ai eu la chance il y a 2 ans maintenant, ou presque 2 ans, de rencontrer Pierre Covol quand il était le vice président à l'Académie des sciences, et en fait, on était en train de commencer le programme de 3 ans du G7 des académies que nous avons lancé à cette époque-là, et je suis ravi, en fait, de poursuivre ça cette année. On était ensemble à Paris, reçus par Pierre et son équipe. Et je vois aussi Patrick Flandin, qui est avec nous. Il prend la relève à la fin de 2020 et il va commencer son mandat à 21. Alors, on a le privilège d'avoir comme président un partenaire avec nous, Pierre Covol, pour cette année et encore l'an prochain, quand ça continue avec le leadership des États-Unis et l'Académie des sciences là-bas. Alors, et je veux insister sur le fait que l'expertise, la sympathie, tout le paquet qu'on a profité de l'équipe quand on était à Paris, je pense qu'on a bien travaillé. Vous verrez à la fin du programme les déclarations qui était un des fruits importants de ça. Et évidemment, nous sommes ravis que l'Académie des sciences est tellement impliquée avec nous et un partenaire pendant ce symposium. Alors, tout ça pour dire que, encore une fois, poursuivre une problématique de la journée et comment faire les liens entre les secteurs qui étaient plus ou moins fragmentés pendant le 20e siècle, si pas avant, c'est-à-dire dans ce cas ici, le patient, le médecin et en fait tout le système de santé. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les intégrer au 21e siècle et surtout dans le contexte de la numérique? Alors, tout ça pour dire que, s'il vous plaît, vous joindrez à moi en applaudissant l'arrivée de Pierre Covol. Merci Chad, d'ailleurs. Merci beaucoup de cette invitation. Je voudrais vous dire tout le plaisir qu'on a en Amérique du Nord, de pouvoir s'exprimer en français. Ce n'est pas si fréquent, et donc je ne connais pas beaucoup de grandes villes où on peut parler français, être compris, et je m'en réjouis. Et je continuerai tout le temps en français, mais il y a un jeu de diapositives qui est en anglais. Donc je voudrais vous parler du patient, du médecin et du système de santé
numérique, dans la mesure où, bien entendu, depuis maintenant plusieurs années, c'est une véritable révolution pour tous ceux qui pratiquent le métier de médecin, mais aussi le métier de chercheur dans le domaine biomédical. Ceci touche pratiquement tous les domaines de la médecine prédictive, la médecine préventive, la médecine de précision, la médecine participative. Mais il y a un point très important, c'est en même temps, c'est un enjeu économique énorme. Avec toutes les dérives possibles qu'il peut y avoir, il peut y avoir des perversions, car comme vous le voyez, en l'espace de quelques années, grosso modo, le marché mondial de l'e-santé a été multiplié par 3, voire par 4, ce qui n'est pas sans incidence sur la manière dont on doit considérer l'irruption du numérique dans le système de santé. Il y a 3 acteurs, et là je vous parle en tant que médecin et chercheur. L'acteur qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le chercheur, ce n'est pas le système de santé, c'est le patient. On va commencer par le patient. Cet acteur est en effet un acteur capital dont le comportement est complètement modifié par le système numérique. Nous parlerons ensuite du docteur clinicien, et puis tout ceci impacte considérablement, bien sûr, le système de santé, et ceci impacte tellement qu'une session suivante sera consacrée justement à ce sujet. Le patient à l'heure du numérique. Alors, au départ, on met tout de suite le numérique avec la médecine de précision, l'intelligence artificielle, etc. Je pense qu'en France, la première fois où vraiment on s'est rendu compte de l'importance du numérique, ça a été dans la gestion des rendez-vous, dans la gestion. Parce que les données sont tellement importantes, tellement complexes à gérer, sur un temps tellement long, avec des données extrêmement variées, qui arrivent très vite, que la gestion, sans recherche, sans autre but que la gestion, est très importante. Deuxièmement, pour le patient, l'Internet, aujourd'hui, en France en tout cas, nous avons fait des études là-dessus, montre que c'est la deuxième source d'information en santé. Le gros problème qu'il y a, et on l'a abordé un peu ce matin avec les fake news, c'est quels sont les sites fiables en matière d'information en santé. Et ça, c'est tout un sujet de discussion que l'on pourrait discuter donc ultérieurement. Le deuxième point que je voudrais mettre en avant, c'est la participation. La participation du patient au système de santé s'est faite très naturellement depuis déjà de nombreuses années. Elle est favorisée par le numérique. C'est naturellement la participation à des réseaux de patients, aussi bien pour les maladies chroniques, comme par exemple le réseau français des diabétiques, qui comporte plus de 200 à 300 000 patients, que pour les maladies rares. Et je vous rappelle la création, par exemple, du site Patients Like Me. Et pour avoir travaillé un peu sur les maladies rares, c'est un site extrêmement important. On ne peut pas progresser dans les maladies rares sans le numérique. C'est impossible. En revanche, pour les maladies chroniques dégénératives complexes, au jour d'aujourd'hui, c'est moins indispensable, je dirais. Le patient à l'ère du numérique, c'est un patient qui est connecté, connecté à Internet, mais dont tous les paramètres biométriques, physiques, biologiques, etc., peuvent être, comme vous le savez, bien sûr, enregistrés, transmis à des serveurs intelligents, transmis à son patient, transmis au GAFA, enfin bref, c'est un patient connecté. Il y a un point qui me semble particulièrement intéressant, surtout de nos jours, ce sont les facteurs environnementaux. Comment pouvoir apprécier l'effet de l'environnement, la pollution, le réchauffement climatique, etc., sans avoir une connexion du patient avec ces mesures qui peuvent être faites à très large échelle, de façon à pouvoir voir l'impact que peuvent représenter ces facteurs dans la santé humaine. Il faut bien voir que l'acceptabilité sur laquelle il faut vraiment se pencher est bonne. Il y a 13% des Français qui utilisent un objet connecté en santé, 40% dans l'enquête qui a été faite à l'INSERM se disent prêts à utiliser une application santé. Et le point important qui a été rapidement discuté ce matin, c'est que 78% sont prêts à partager leurs données. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque ça a été discuté, mais le point qui est quand même essentiel, c'est que l'idée de collaborer de façon collective à
banque de données bien établie est en tout cas présente dans un peuple qu'on l'on dit très individualiste, qui est le français. Voilà. Alors, cette santé connectée, ces objets connectés, il y en a énormément. Je ne vais pas les détailler, vous les connaissez, mais par exemple, sur le sommeil, il y a plus de 500 applications. Il y a des applications que j'estime personnellement être anxiogènes et d'autres pas. On a des healthcare connected objects et ceci m'amène à bien différencier les objets connectés qui sont pour le welfare et d'autre part les objets connectés qui ont une importance en termes de diagnostic, de suivi à long terme pour des pathologies. À l'heure actuelle, le quantified self est donc quelque chose qui se généralise, mais avec un point, je dirais, important qui est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, un grand nombre de ces objets connectés ne sont pas validés. Ce n'est pas tellement la mesure qui n'est pas validée, mais quel est le service médical rendu qu'ils peuvent apporter. Et travaillant depuis très longtemps sur l'hypertension artérielle, nous ne sommes pas capables de dire aujourd'hui, même s'il y a des possibilités de connecter la pression artérielle avec le médecin traitant ou d'autres serveurs, de dire quel est le bénéfice précis qui peut être attendu d'un investissement en matière de monitoring de la pression artérielle. Voilà. Nous ne connaissons pas la fiabilité pour un certain nombre d'entre eux, et donc cette question du service médical rendu et de la prise en charge est absolument encore une question ouverte. Donc il ne faut pas se précipiter pour dire qu'on a tout résolu parce qu'on a un objet connecté. Le médecin. Alors évidemment, c'est le partenaire essentiel. Il va pouvoir bénéficier d'un dossier électronique de santé, d'un dossier qu'il va pouvoir partager. Nous avons en France une loi sur la nécessité d'un dossier médical partagé, sauf que nous n'avons pas encore réellement mis en application le Electronic Health Record qui existe dans d'autres pays. Donc il y a encore un gros travail à faire, mais le médecin, naturellement, peut être connecté aux données de santé du patient. En France, ce qui s'est bien développé, en revanche, depuis peu, c'est la télémédecine. Alors ce n'est pas exactement l'e-santé, mais j'insiste là-dessus parce qu'on peut faire beaucoup de choses, comme par exemple la télédialyse, le téléconseil. Ceci a fait l'objet, évidemment, d'une réflexion en termes de remboursement par les caisses d'assurance maladie, mais ceci se développe à bonne allure. Et acceptabilité encore, j'insiste là-dessus sur le point de savoir comment la population médicale réagit. Eh bien, 70% des médecins jugent nécessaire d'intégrer le numérique dans l'organisation des soins, et ils voient là une aide au diagnostic, à la thérapeutique, au pronostic et au suivi des patients. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que je me rappelle très bien quand on a commencé à développer les appareils d'auto-mesure de la pression artérielle, ça a été réellement une réaction de défense des médecins praticiens qui pensaient qu'on allait leur voler en quelque sorte le malade, car le malade pouvait suivre lui-même ses chiffres de pression. Mais ceci conduit à l'auto-traitement, sur lequel on ne parle pas beaucoup, mais c'est très important. Pourquoi aller chercher quelqu'un pour ajuster le traitement à partir du moment où les mesures sont fiables, qu'il y a un protocole, une procédure à suivre et qu'il peut y avoir un contrôle par la connexion. Donc l'auto-traitement est quelque chose qui est induit en quelque sorte par le numérique en santé dans certains domaines. Alors vous connaissez bien sûr l'aide diagnostique que peut apporter l'e-santé, l'intelligence artificielle dans le domaine des images. Et il y a 3 ou 4 grands secteurs, mais le secteur le plus spectaculaire, c'est cet article dans Nature qui a fait beaucoup de bruit, où vous voyez qu'il est possible de distinguer après un apprentissage machine learning, apprentissage profond, un grand nombre de lésions dermatologiques pour les classer et les classer de façon tout à fait fiable. Ceci à partir de 130 000 images correspondant à 2000 pathologies cutanées pour pouvoir distinguer finalement les carcinomes, qui sont des tumeurs bénignes, enfin relativement bénignes, des kératoses bénignes, et les mélanomes qui peuvent être distingués des névis, et les mélanomes sont particulièrement redoutables et donc leur diagnostic est essentiel.
Et donc, il y a une confrontation. C'est un peu comme le jeu de Go. The winner is not the physician, but l'intelligence artificielle, à savoir le programme qui a montré que contre 18 ou 25 experts, peu importe, le score de réussite, de diagnostic précis, est supérieur avec le smartphone des dermatologues, entre guillemets. Et là, ce que je vous montre là, c'est valable non seulement pour les lésions cutanées, donc le secteur de la dermatologie, mais aussi pour l'ophtalmologie, qui est un secteur qui se développe à toute allure. La Food and Drug Administration a notamment permis le diagnostic par intelligence artificielle de la rétinopathie diabétique. C'est quand même un élément très important. L'anatomopathologie, c'est un traitement des images, des coupes de tumeurs, là aussi, un progrès formidable. Je voudrais ajouter la pharmaco-épidémiologie. On donne un médicament, et puis il faut savoir que dans ce qu'on appelle la phase 4, c'est-à-dire la phase de surveillance après l'autorisation de mise sur le marché, si le médicament peut avoir des effets secondaires. Très difficile à prévoir si ce sont des effets rares. C'est un des succès, je dirais, des données massives, sans a priori que de pouvoir repérer un effet secondaire rare, mais possiblement grave. Je cite enfin, pour terminer, toujours dans cette médecine à l'ère du numérique, la téléchirurgie, mais ça vous connaissez. Alors, on peut aller plus loin dans l'intérêt d'un certain nombre de devices dans la médecine connectée, comme par exemple dans le diabète de type 1 qui nécessite un traitement continu par l'insuline. À l'heure actuelle, au lieu de faire, je dirais, 1 à 6 injections d'insuline par jour, il est possible avec un sensor de monitorer en continu la glycémie, puis d'asservir la pompe à insuline à cela. Ça, c'est par exemple une start-up, là je plaide française, c'est une start-up française qui se développe. Mais le point intéressant est que dans le logiciel, les algorithmes de cette start-up, existent plusieurs possibilités. D'une part, il y a un programme qui permet d'éviter d'injecter une dose trop forte d'insuline, donc un programme de sécurité. Deuxièmement, la machine apprend l'activité physique régulière du patient. On ne se comporte pas pareillement en situation de stress comme je le suis par rapport à une situation de repos comme vous êtes. Donc j'ai besoin de plus d'insuline que vous. Et à ce moment-là, la machine apprend qu'elle a besoin d'injecter un peu plus d'insuline. Elle va le mémoriser. Et quand elle verra que vous avez une activité physique un peu plus importante, en faisant du sport, elle va pouvoir arriver ainsi à moduler l'insulinothérapie en fonction de l'activité physique ou d'autres paramètres. Ceci, juste pour vous donner une idée. Alors, le système de santé à l'ère du numérique, on va en parler dans un instant, je pense que c'est absolument essentiel, parce qu'il faut pouvoir améliorer le système de gestion de nos assurances. Améliorer la politique de santé nécessite de savoir ce qu'on fait, quels sont les outputs et quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir avoir au meilleur coût la meilleure espérance de vie, la moindre mortalité et la moindre morbidité. Alors en France, nous sommes dans une situation qui est intéressante parce que nous avons un système d'assurance pratiquement unique. Ce n'est pas comme aux États-Unis où il y a beaucoup de systèmes d'assurance. Nous avons à l'heure actuelle, avec les données de l'assurance maladie, la possibilité d'explorer plus d'1 milliard de feuilles de soins, d'ordonnances, par an. Et nous pouvons récupérer aussi les 500 millions d'actes médicaux et les séjours hospitaliers qui sont codés. Donc il est possible de stocker ces données à condition qu'elles soient structurées, bien sûr, que ces données soient correctement archivées, annotées, disponibles avec tous les systèmes, évidemment, de confidentialité nécessaires. Grâce à quoi on peut faire des études en économie de la santé, on peut extraire des données complètement inédites, on peut espérer améliorer le système de soins,
Par exemple, il est très difficile d'évaluer l'efficacité de mesures de type comportemental sur la santé des gens, parce que c'est difficile à quantifier avec les indicateurs habituels. En revanche, ceci est plus réalisable facilement avec les systèmes d'intelligence artificielle, et donc on peut évaluer l'ensemble des procédures. Alors, je vous donne simplement quand même un exemple de difficulté. Il y a à l'heure actuelle en France 500 000 syndromes d'apnée du sommeil. Le traitement, c'est la pression partielle positive continue. On a proposé que la Sécurité sociale prenne en charge, rembourse cette thérapeutique. Mais il est possible, avec les systèmes de connexion, de savoir quels sont les gens qui suivent et ceux qui ne suivent pas. Parce que c'est quand même assez contraignant d'avoir un masque sur la figure pour pouvoir dormir tranquillement. Et donc, à un moment donné, la Sécurité sociale a dit « j'arrête le remboursement à ceux qui ne suivent pas le traitement. » Et moi, je le sais parce que j'ai les données. Là, il y a une controverse juridique qui est intéressante. Et la Sécurité sociale a cédé devant, je dirais, les arguments proposés par les utilisateurs. Alors, je vous parle en tant que médecin. Moi, j'ai commencé avant l'e-santé. Qu'est-ce que je faisais ? Un interrogatoire, un examen, des examens biologiques, des radios. Je proposais un traitement. J'ai été aidé grâce notamment à Guyat, qui a travaillé à l'université McMaster. Je cite quand même le Canada à sa plus haute place, qui a proposé l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les faits ou sur les preuves, etc. Voilà, l'evidence-based medicine nous a aidés à partir de 1980. Donc c'était plutôt un système expert, entre guillemets, mais pas fondé sur les arguments tirés du numérique. Aujourd'hui, le dossier médical est informatisé, l'imagerie est digitalisée. Vous avez les données génomiques, mais vous avez toutes les données omiques, transcriptomiques, protéomiques, etc. Vous avez les données issues de capteurs embarqués, vous avez les données issues de capteurs, ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire à quoi on est exposé tous les jours. Et bon, à la fin, vous pouvez voir une aide au diagnostic, notamment une aide au diagnostic de maladies rares, j'insiste là-dessus parce que c'est très difficile de faire le diagnostic, et une aide au pronostic et au traitement, et donc une aide à la décision. Le problème, c'est que mes étudiants en médecine, ils ne font plus d'interrogatoire, ils n'auscultent plus, ils ne regardent pas les examens, parce que de toute façon, voilà, c'est mis dans la machine, et la machine est plus fiable, pensent-ils, qu'eux-mêmes. Donc tout le contexte, complexe d'un patient est en train de s'évanouir. Donc moi, je pense que là, il y a un problème, et ça vaudrait la peine d'y réfléchir un peu ensemble. Alors, je donne une expérience personnelle, parce que c'est bien gentil de parler d'e-santé, mais au nom de quoi et au nom de qui ? Moi, je parle au nom du service que j'ai dirigé à partir de 1980. Donc, j'ai 40 ans pendant lesquels on a eu le flair, l'intuition avec un de mes collègues de former des médecins en informatique, en système numérique, pour nous aider à établir un dossier standardisé, la pression artérielle s'y prête. Il y a des indicateurs relativement simples, la systolique, la diastolique, etc. Nous avons vu 55 000 hypertendus, avec un dossier qui comportait seulement 400 à 500 items. Nous avions les données de base, le traitement. Les données étaient, sans que je les ai étiquetées au départ comme telles, étaient structurées. On a pu faire une analyse textuelle et on a surtout pu, récemment seulement d'ailleurs, faire des liens avec les données de l'assurance maladie et des systèmes médicalisés d'information. Mais nous ne pouvions pas à l'époque intégrer l'imagerie ou les résultats du génome. Néanmoins, je vous ai cité quelques résultats qui nous semblent intéressants. Il a fallu quand même 40 ans. Ça a été d'abord un système de gestion pour pouvoir suivre des patients à plusieurs médecins. Les médecins ont changé. Les traitements ont changé et 40 ans de suivi, c'est pas rien. C'est au-delà de l'échelle humaine. J'insiste là-dessus. Mais nous avons pu, par exemple, débuter les premières études sur la génétique de l'hypertension, parce que nous avions repéré par l'interrogatoire
les familles à hypertension, on a pu repérer ce qu'on appelle un profil du non-observant. Tout à l'heure, on parlait du profil suicidaire. Là, ce n'est pas un minority report, mais c'est quand même la possibilité de dire devant quelqu'un qui est obèse, qui n'a pas de métier, qui fume et qui n'a pas, je dirais, de vie affective stable, que vraisemblablement, il ne va pas suivre son traitement. Vous me direz, ça c'est évident, mais non, ce n'est pas évident. Il faut le savoir et le vérifier et prendre des mesures ensuite pour cela. Voilà, alors, je vais peut-être passer ça. Pour terminer sur le fait qu'en épidémiologie classique, on part sur une hypothèse de travail et on la suit avec des cohortes. Là, l'épidémiologie a complètement changé, puisqu'on va extraire des données sur des populations extrêmement larges, sans hypothèse a priori, et on va pouvoir avoir, comme je l'ai dit pour la pharmaco-épidémiologie, des possibilités intéressantes. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de nutrition. Là, je vous montre ce qui est fait en France sur un code qui s'appelle NutriSanté, sur une cohorte de plus de 500 000 patients, qui est suivi, et là vous avez un Nutri-Score qui permet à quelqu'un rapidement de voir s'il va prendre des aliments en vert, c'est OK, ou en rouge, ça risque de poser un problème, ou en orange, voilà. Alors, je voudrais parler, pour terminer, des défis. Évaluer le bénéfice, moi je reviens là-dessus, ça n'est pas évident, je veux dire... Le bénéfice existe très certainement, j'ai montré suffisamment d'exemples, mais je pense que ceci nécessite des études, notamment dans le domaine médico-économique. Nous sommes en train de changer notamment la tarification à l'acte à l'hôpital. On va avoir des données pour pouvoir justifier ces propositions. Nous avons dans le G7, le deuxième rapport qui a trait à l'intelligence artificielle des sociétés, mis en avant la nécessité de travailler sur des systèmes d'intelligence artificielle explicables. C'est essentiel pour un patient de lui faire comprendre pourquoi, comment on procède, comment on arrive à un diagnostic. Le problème de la responsabilité médicale, qui décide? C'est le thème de la prochaine table ronde. La crainte sur le non-respect des données privées, c'est essentiel. Vous avez les GAFA, les compagnies d'assurance, l'embauche par les entreprises. Alors pour les assurances, moi je pense qu'il faudrait un débat plus subtil que celui qu'on a eu jusqu'à présent, notamment historique. Parce qu'après tout, quand on a commencé à mesurer la pression artérielle à Framingham, et qu'on a fait, c'est finalement, on n'a pas fait beaucoup d'autres choses que de regarder sur une cohorte prospective à long terme quels étaient les facteurs de risque et de taxer les gens en fonction de la présence ou non de ces facteurs de risque. Mais alors, là, ce qui change, c'est évidemment le rôle des GAFAM, qui ont beaucoup plus de données que nous et qui proposent déjà les kits, les welfare kits, etc., etc. On n'a pas parlé de cela beaucoup, mais c'est essentiel. Il va falloir complètement repenser le système de formation des médecins et du personnel de santé dans son ensemble. On ne peut plus, je dirais, former un radiologue de la même manière qu'on le formait de mon temps. Ça, c'est clair. Donc, il va falloir savoir où se trouve la place de chacun. Ça va être passionnant. Et l'homme dans tout ça? Ben oui, l'homme dans tout ça. Alors je termine simplement dans l'homme de tout ça avec un cartoon. C'est le dessert, c'est la cerise sur le gâteau. Vous avez ici un praticien qui a examiné un malade. Sur l'ordinateur, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais le praticien voit sur l'ordinateur que le diagnostic dit « il est cinglé, c'est dans la tête ». Alors il sort une ordonnance pour ce diagnostic, le malade dit, c'est tout. Le médecin se penche dans le tiroir de son bureau et dit, non, je vous propose une date fourrée, sweeties. Et le malade dit, j'en ai pas besoin. Et l'autre lui dit, le médecin, prenez une date fourrée, vous dis-je, c'est l'élément humain. J'espère que nous ne serons pas là, merci. Restez debout. Oui, très bien. Un gros merci. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Deux qui sautent à mon esprit. L'image de santé connectée, ça c'est attirant, c'est quelque chose. Le triangle, l'image qui me frappe. Mais alors, c'est un nouveau paradigme. Bon.
Est-ce que, comment, dans quelle mesure, je me donne, est-ce que c'est lié à l'ère numérique ou est-ce que ce paradigme fait de bon sens de toute façon? Et je pense, par exemple, juste les liens entre le médecin et le système de santé. Je sais qu'ici, à l'université, par exemple, on a une faculté de médecine et une faculté de sciences de la santé. Il y a toute une histoire au Canada liée à ça. Et l'Université d'Ottawa, ce n'est pas unique dans ce sens-là. Alors, tous ces liens-là, c'est intéressant. Et quand on dit, par exemple, au Canada maintenant, on a un institut santé, à l'époque, c'était médecine. Alors, ça, c'est un rapport intéressant. L'autre, avec le patient, il y a question de pouvoir. Au 21e siècle, le pouvoir médecin, c'est simple. Mais maintenant, c'est partagé, le patient et tout ça. Alors, le nouveau paradigme, dans quelle mesure est-ce que le 20e siècle prépare le terrain pour ça, ou est-ce qu'on commence avec tout un autre approche? Moi, je crois que c'est une question essentielle et passionnante. Je pense qu'on arrive à une démocratisation de la santé et du savoir médical, qui est un savoir partagé. L'objet connecté, les objets connectés, les informations, c'est finalement la possible accession à un patient, à un corpus de connaissances. Il aura besoin, naturellement, d'être aidé, mais il en sait tout de suite beaucoup plus que le médecin. Et dès qu'on rentre dans des pathologies un peu particulières, je vous parle en connaissance de cause, le médecin se réfugie derrière. On va en reparler la prochaine fois parce qu'il va regarder exactement de quoi il s'agit sur les moteurs de recherche. Donc je pense qu'on aboutit à une maturité, une maturation, je dirais, du dialogue entre médecin et malade. Ce sont des grands mots, mais je dirais que oui. Ceci dit, il a été dit ce matin que il y a quand même des fractures qui peuvent exister, notamment dans les catégories socio-professionnelles moins évoluées, parce que ce n'est pas évident. En même temps qu'on a cela, on a des fake news en matière de sites, de pseudo-sites médicaux, mais c'est dramatique. Ils sont terriblement suivis. Donc, on a le revers de ce que nous apportons par une connexion. Mais moi, je suis optimiste de nature, par définition, donc je vois l'incrément, mais c'est un incrément modeste, mais en bien, voilà. Voilà. Alors, une question. Allez-y. Merci. Je m'appelle Fuyuki Kurasawa de l'Université York à Toronto. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous poser deux questions, mais je pense que vous avez répondu en partie à la première. Alors, je vais vous poser la deuxième en premier, c'est-à-dire comment éviter justement que ce système de santé où il y a quand même une monopolisation des données par GAFAM ne crée pas des inégalités où le patient ou la patiente doit se tourner vers ces entités géantes, on doit le dire aussi américaines, privées, et que la qualité et la quantité de données que cette personne va recevoir va être proportionnelle à le montant d'argent qu'il sera capable de payer pour recevoir aussi bien un diagnostic à partir de ces compagnies-là qui rivalisent avec les systèmes de santé publics un peu partout au monde. Donc, comment justement éviter qu'on arrive à un système où on doit, le patient ou la patiente se tourne vers ces compagnies du numérique géantes pour avoir des diagnostics qui sont, disons, où il y a plus de données qu'ailleurs et qu'elles sont de meilleure qualité et que, justement, la capacité de payer va déterminer la qualité de l'information qu'ils vont recevoir? Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, hein, bien sûr, mais que nous nous posons déjà, par exemple, dans le diagnostic génétique. En France, il est interdit d'envoyer de l'ADN aux États-Unis pour faire un tour du génome, pour savoir si on a ou non des mutations. Ça n'est pas permis par la loi aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne le font, qui contournent la loi, alors qu'aux États-Unis, c'est possible. Mais aux États-Unis, tout le monde ne fait pas son génome, parce que c'est quand même 100 ou 200 dollars, d'une part, et puis d'autre part, il faut interpréter les résultats. Donc, pour dire en un mot, oui, il y a des différences de comportement. Qu'est-ce que ça va donner en termes, c'est toujours la même question,
Qu'est-ce que, éventuellement, ça représente en perte de chance pour quelqu'un qui ne fait pas son génome par rapport à quelqu'un qui a des connaissances sur son génome? En dehors de quelques cas caricaturaux, je ne sais pas. Je dis les cas caricaturaux sont les cas de cancer monogénique ou des choses comme ça. Mais quand on prétend, pour les maladies chroniques, en tout cas aujourd'hui, dire qu'on va vous prédire l'Alzheimer ou l'hypercholestérolémie ou l'athérome, ce n'est pas vrai. Donc les gens qui font leur génome dans ce but-là sont floués. On les trompe. Donc ils dépensent de l'argent pour rien, tant pis pour eux. Et ceux qui ne le font pas, oui, ils perdent d'un autre côté peut-être la possibilité de repérer une mutation rare sur laquelle on pourrait agir. C'est difficile, vous voyez. Merci. Et une autre question, une question finale, parce qu'il faut passer à la prochaine séance. How can we avoid situations where AI technologies become mandatory for patients to receive treatments or benefits for illnesses despite patient distrust? Je dirais que sur le diabète de type 1, ce n'est pas indispensable, mais quand on voit les progrès qui peuvent être faits pour éviter un coma hypoglycémique ou au contraire une glycémie mal régulée et des complications, je pense que le médecin est en droit d'insister lourdement. Après, c'est le choix du patient, on oublie toujours ça. C'est le choix du patient. Et c'est la responsabilité du médecin. Ce n'est pas la responsabilité du fabricant. Donc, ça pose quand même aussi, il y a un ordre de responsabilité qu'il faut bien avoir en tête. Moi, je pense que c'est un dialogue médecin-malade. Et c'est comme souvent en médecine, ça n'est pas résolu en 30 secondes. C'est une deuxième consultation, une troisième, voire une quatrième consultation, au bout de laquelle chacun a compris un peu mieux l'autre, a vu les intérêts, et finalement prend une décision sage. Excellent. Vive le dialogue. Un grand merci. Alors, j'invite ma collègue Monica qui a accepté d'être notre MC. Et voilà. Merci Chad et merci professeur Corvol. On va passer directement aux prochaines tables rondes qui va être animée cette fois-ci encore par Daniel Bouchard, je le vois maintenant. Et j'invite également les conférenciers et conférencières de se présenter immédiatement parce qu'on va passer directement à ce panel-là qui va se pencher sur la montée de l'intelligence artificielle qui prend les décisions sur notre santé. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mon nom, c'est Daniel Bouchard. Je suis animateur du téléjournal Ottawa-Gatineau. Je suis aussi professeur à l'Université d'Ottawa à temps partiel, puisque j'ai fait mes études ici. J'ai fait un doctorat en histoire environnementale et donc j'enseigne beaucoup en communication. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci au partenariat organisateur de l'événement, la Société royale du Canada, l'ambassade de France, de même que l'Université d'Ottawa. Et donc, on a une question importante qu'on va se poser au cours des prochaines minutes, à savoir la montée de l'intelligence artificielle qui prend les décisions concernant notre santé. Nous avons quatre experts, des personnes qui font des recherches dans des domaines en particulier et qui vont, à partir, bien sûr, de leur propre perspective, aborder ce sujet-là qui est fondamental, qui est particulièrement important. Je vous les présente d'ailleurs brièvement, en commençant à ma gauche rapprochée et en allant vers mon extrémité à la gauche. Je commence avec Mme Joëlle Pinault, qui est membre du corps professoral au MILA. Elle est professeure agrégée et chercheure boursière à la chaire de recherche William Dawson à la School of Computer Science de l'Université McGill, où elle co-dirige le Reasoning and Learning Lab. Elle est également co-directrice générale de Facebook All Research et directrice de laboratoire de Facebook à Montréal, au Canada. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en ingénierie de l'Université de Waterloo, d'une maîtrise et d'un doctorat en robotique de la Carnegie Mellon University.
Les recherches de Dr. Pinault portent sur le développement de nouveaux modèles et algorithmes pour la planification et l'apprentissage dans des domaines complexes partiellement observables. Elle travaille également sur l'application de ces algorithmes à des problèmes complexes en robotique, soins de santé, jeux et agents conversationnels. Elle est membre du comité de rédaction du Journal of Artificial Intelligence Research et du Journal of Machine Learning Research. Elle fut également présidente de l'International Machine Learning Society. Elle fut lauréate de la bourse commémorative EWRTC du CISNJ 2018 et membre également de l'Association for the Achievement, the Advancement of Artificial Intelligence, membre de l'Institut canadien de recherche avancée, membre du Collège des nouveaux chercheurs et créateurs en art et en sciences de la Société royale du Canada et lauréate aussi en 2019 du prix du gouverneur général pour l'innovation. Mesdames et messieurs, Madame Joëlle Pinault. Pascal Mélian-Chénin est secrétaire général de la Conférence nationale de santé depuis 2017. Il a notamment organisé le débat citoyen sur les conditions pour que les applications en santé et les objets connectés bénéficient à tous avec l'appui méthodologique de la Commission nationale du débat public, en association, bien sûr, avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et en partenariat avec la délégation interministérielle à la transformation publique. Il prépare la prochaine mandature de la CNS attendue pour fin 2019, début 2020. Le secrétariat général de la CNS est un service du ministère des Solidarités et de la Santé rattaché à la Direction générale de la Santé. Auparavant, il a été conseiller du directeur général de la Santé, chargé de piloter, d'ailleurs, la réforme des agences et celle des vigilances en 2015-2016. En 2013-2014, il anime la sous-direction de la santé, des populations et de la prévention des maladies chroniques, après avoir été adjoint au sous-ministre depuis 2010. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Pascal Mélian-Chénin est titulaire d'un Master 2 en économie internationale de l'Université de Paris 13 et d'un Master 2 en sociologie du travail de l'Université Paris Diderot. Monsieur Mélian-Chénin. Dr. Doug Manuel is a distinguished university professor at the University of Ottawa in the departments of Family Medicine and School of Epidemiology and Public Health. He is a senior scientist at the Ottawa Hospital Research Institute, a clinical scientist with CT Lamont Primary Healthcare Research Center, Bruyère Research Institute, a senior core scientist at ICES, and a senior medical advisor for Statistique Canada. For over 25 years, he has been a primary care doctor in rural, remote, and underserved Canadian communities. Dr. Manuel's research develops advanced predictive algorithm and micro-simulation models to assess population health and the health impact of health strategies. He is a founder of projectsbuildlife.ca, a website used in over 200 countries that allow individuals to predict their future health. He has written on how societies with the best population health have achieved their success. He has published over 250 studies, including papers in the leading medical journals. Mr. Doug Manuel. Enfin, Dr. Alain Moutam détient un doctorat en informatique de la santé de l'Université d'Ottawa ainsi qu'un master de l'Université Stanford en Californie. Il dirige une activité de recherche sur des systèmes d'aide à la décision clinique basée sur de l'intelligence artificielle à l'Institut du savoir Montfort et travaille aussi dans le Centre d'excellence clinique en maladies chroniques de l'Hôpital Montfort à Ottawa, bien sûr. Auparavant, M. Moutam était fondateur et PDG de deux start-up dans la Silicon Valley en France et au Canada, ainsi que cadre exécutif chez Hewlett-Packard et Nortel Networks. M. Moutam. Alors, je commence avec une question qui est au centre de ce que vient d'aborder le Dr. Corvol, au centre aussi de ce thème qu'on va aborder au cours des prochaines minutes. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, plusieurs disent on parle d'intelligence augmentée du médecin et non pas intelligence remplacée du médecin.
J'imagine que vous êtes à peu près tous d'accord avec ça, mais dans quelle mesure, compte tenu du fait qu'on veut rationaliser, qu'on veut un budget équilibré, compte tenu du fait qu'on veut la performance, bien sûr, très, très souvent, est-ce que c'est aussi possible? Je commence avec vous, Dr Moutan. Oui, c'est tout à fait possible, mais on en est vraiment au tout début sur ce genre de recherche. Alors, à l'hôpital Montfort, on a identifié à peu près 5 niveaux d'augmentation. Et le détail que vous avez mentionné, qui en fait, on augmente plutôt qu'on cherche à remplacer les médecins, c'est extrêmement important. Donc, le premier niveau, c'est le niveau de l'IA comme étudiant. On met un IA avec un chirurgien expérimenté qui est très, très fort dans certaines procédures, certaines interventions laparoscopiques. Et l'IA se met à apprendre. Et les connaissances de l'IA sont ensuite passées à des étudiants en médecine. Le deuxième niveau, c'est donc l'intelligence augmentée d'un assistant administratif. Donc l'IA est là pour aider le médecin à aller chercher des informations beaucoup plus facilement sur le web, ramener ça de manière bien présentable au médecin. Le troisième niveau, c'est le niveau d'augmentation médicale, un assistant médical. Et donc là, on commence à avoir des applications parmi celles que Pierre Corvoil a mentionnées initialement, donc des applications sur des smartphones ou même des applications tournant sur des grands serveurs qui commencent à apporter de la valeur aux patients ainsi qu'aux médecins. Le quatrième niveau, c'est celui auquel nous faisons de la recherche à l'hôpital Montfort, c'est le niveau du collègue médical virtuel. Un collègue et non plus un assistant. Autrement dit, un médecin donc, vient et engage un dialogue en langage naturel avec son ordinateur et lui dit, voilà, et l'ordinateur a pu récolter toutes les données du patient, des données donc, historiques au niveau de l'hôpital. Et donc, le docteur communique avec le patient sur son diagnostic possible. Alors, le collègue médical virtuel, plutôt que l'assistant, commence à lui poser des questions. As-tu pensé à ces symptômes? As-tu validé ça? As-tu fait ces tests? As-tu fait tel pronostic différentiel? As-tu considéré tel ou tel guidelines qui vient de paraître il y a quelques mois de cela? Donc, en fait, c'est justement pour adresser un des problèmes que Pierre Covol a mentionné, qui est la perte des skills, la perte des compétences de nos étudiants sortant de faculté de médecine qui n'ont pas à pratiquer cela. Donc, plutôt que d'aider et amener des informations, on questionne, on challenge. Le cinquième niveau, c'est le niveau de l'intelligence autonome, où l'IA est complètement autonome, indépendant des médecins ou des cliniciens. Et donc, c'est tout un domaine de recherche. Et donc, nous n'y sommes pas encore, non seulement pour des questions techniques, mais surtout peut-être pour des questions d'éthique. On pense vraiment à l'IA qui doit augmenter les capacités d'un médecin plutôt que de remplacer le médecin. Alors, si je comprends bien, selon les niveaux, il y a différents donc, niveaux d'intervention de l'intelligence artificielle. Et plus on approche des niveaux critiques, plus il faut absolument que le médecin ait quand même à la toute fin son mot à dire. Dr. Manuel, what's your point of view on that? Well, I think you started the question too about resources and different issues, and I like to kind of think of the concrete examples as well. And thinking of your question, I think of Canada and U.S. and New Zealand in terms of how we're currently assessing cardiovascular disease risk. So we assess the risk. There's going to be people in the room that are on statins, and that assessment was done through these algorithms. And these algorithms we've been running for about 30 years. And it very, you use your cholesterol level and whether you smoke, whether you have diabetes, superhuman tools. We can't do that math in our heads. We create algorithms, and those algorithms are getting better. So New Zealand is thinking, what they're thinking is every time that algorithm is used in the clinic, that information is used for that decision-making process. Part of that information goes off, every calculation goes off into a central registry. They can have the learning health system. And the learning health system, where that's linked to the outcomes, who develops who has a heart attack, is it MRI? Can we calibrate and assess underserviced populations? So great idea. Their imperative is they can't afford as many statins as Canada and US. Pipe dream, they've been doing it for almost 20 years. And they published in the world leading journals about this, and then cut to Canada. We're using the Framingham risk algorithm, now I think about 25 years old. It's overestimating a patient's risk by maybe 100%, so grossly wrong.
and transparent, explainable, very easy, but it's just the math is wrong. We have never calibrated to Canadian population. And so how can we, so New Zealand's imperative was to save money. And in doing so, they are able to better target their underserviced, better say who will benefit most from statins. And here we are in Canada still kind of thinking about how we can develop this learning health system where people in the room are, have been prescribed medications, being told their estimate for heart disease is higher than it is. So I think, I don't know, I maybe stop there for a ponder point. We'll talk about that anyway later when we'll get into more precise situation. Monsieur Pellier-Chenin? Écoutez, moi, à la différence de mes trois collègues, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle, mais juste comment on s'était posé la question quand je m'en suis chargé, c'est que finalement, on se trouvait en présence de trois discours qui dominaient en France par rapport à ces questions et qui font tout à fait lien avec ce que M. Corvol a traité, à savoir des objets connectés et des applications de santé. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un discours qui était un discours, en gros, qui était celui du ministère de l'Industrie chez nous, des start-upers, qui est un discours très optimiste sur les bienfaits de la machine et des progrès, avec aussi des interrogations en termes de retombées économiques et d'emploi. À l'inverse, il y a un discours qu'on n'a pas mentionné, mais qui existe, qui est discours, je dirais, des numérico-sceptiques, des gens qui voient toujours de manière négative et avec des craintes sur tout ce qui est innovation numérique, voire qui se retirent, qui n'ont pas de smartphone. Alors, ils sont très minoritaires, mais qui ont tendance quand même à dire qu'il n'y a que des impacts négatifs. Et puis, il y a un troisième discours qui est important, qu'on a déjà mentionné sans forcément l'en qualifier, celui des consommateurs, qui était sur les craintes par rapport aux données, sur sa vie privée, sur l'utilisation qui serait faite des données, mais aussi ce qu'on a moins mentionné, je crois, mais vous l'avez mentionné tout à l'heure, monsieur, sur la fiabilité des outils. Est-ce que c'est fiable, voire même, est-ce que ça peut être nocif? Et moi, m'étant intéressé dans le passé aux vigilances, c'est-à-dire aux effets sanitaires indésirables créés par le système de santé, il peut y avoir aussi des effets sanitaires indésirables de ces outils. Il y a eu le cas où la FDA aux États-Unis a retiré, par exemple, des applications en dermato parce qu'il y avait eu des effets négatifs. Donc, ces trois questions dominaient. Et il y en avait une qui n'était jamais posée et qui nous intéressait, c'est celle des inégalités de santé, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces innovations bénéficient à tous et qu'elles ne creusent pas, à l'inverse, les inégalités. Alors, on a parlé des biais dans les algorithmes tout à l'heure, mais c'est vrai, on a parlé de la fracture numérique, les questions que vous avez, vous, au Canada, d'accès au numérique pour certaines populations, d'accès physique. On se pose aussi ces questions, ça a été dit tout à l'heure, en France. Il y a aussi les questions en termes d'accès à la compréhension. Donc, on pourrait y revenir tout à l'heure sur ces sujets. Et on va revenir sur les questions d'inéquité et d'accessibilité. Madame Pinault, quand on vous dit intelligence augmentée plutôt qu'intelligence remplacée? Oui et oui. C'est-à-dire, ça, pour moi, ça dépend beaucoup du contexte. Mon collègue a présenté 5 niveaux là, dans notre conception de la chose. Il y en a 4 et puis ça ne s'aligne pas tout à fait de la même façon, mais ça se rejoint, j'explique rapidement. Vraiment, on parle d'une intelligence qui est utilisée pour l'acquisition de l'information. On parle d'une intelligence qui peut être utilisée pour la prédiction, donc prédire certains phénomènes, prédire la réponse d'un patient à un médicament particulier. On parle d'une intelligence qui peut être utilisée pour la recommandation, donc prescrire un traitement, mais sujet au fait qu'un clinicien va prendre la décision finale. Et puis finalement, on parle d'un traitement, d'une intelligence artificielle qui prend la décision finale. Et puis, des fois, on a l'impression que les trois premiers sont une intelligence intégrée, puis que la dernière, celle de la décision, est le cas où est-ce que l'intelligence s'est un peu laissée à elle-même. C'est quand même un peu plus subtil que ça, parce qu'il reste une certaine fonction pour le participant, que ce soit le patient ou le médecin, de surveiller, de monitorer, de s'assurer que le système remplit bien sa fonction. Dans certains cas, on a aussi l'impression qu'entre les différents niveaux, il y a une différence au niveau de la complexité. Donc, qu'on réussirait vraiment le déploiement de l'acquisition, de la prédiction avant de se rendre à la recommandation puis à la décision. Ce n'est pas toujours le cas. On a entendu parler dans l'intervention précédente des systèmes pour contrôler la glycémie des patients. Pour les patients diabétiques, dans ce cas-là, on parle d'une intelligence artificielle qui, en temps réel, prend les décisions, déploie le traitement,
parce que c'est ce qui est nécessité par la condition. On doit calculer plusieurs fois dans une heure le taux de glycémie, donc on ne peut pas se permettre à chaque fois de vérifier avec le clinicien. Donc, il faut vraiment que cette décision-là, que ça soit augmenté, que ça soit remplacé, que ça s'inscrive dans le contexte où l'intelligence est utilisée et puis les contraintes de temps, de données, d'espace, de calcul. Mais allons-y avec des exemples concrets. Merci pour vos points de vue. D'ailleurs, j'en profite pour vous souligner que vous allez avoir la chance au cours des prochaines minutes de poser des questions. Deux façons de le faire, par voie informatique avec Slido. Vous avez les informations derrière votre ticket, votre carton avec votre nom dans la petite pochette en plastique. Ou encore, les deux micros qui sont ici, lorsque je vais vous voir avancer vers les micros, je me tourne vers vous pour les questions. Allons-y avec un exemple concret qui va peut-être parler davantage aussi à la population, ceux qui ne sont pas des experts dans le domaine. On entend parler maintenant, par exemple, de triage dans les hôpitaux où on sera en mesure, ça se fait peut-être déjà, je ne le sais pas, mais d'installer un robot qui pourrait déterminer lors du triage le niveau de priorité qu'on va accorder à la personne qui se présente à l'hôpital, selon que c'est une maladie pulmonaire, respiratoire, un problème au niveau cardiaque, peu importe. Dans quelle mesure, justement, une machine peut faire ce genre de travail-là? Parce que, qu'on le veuille ou non, d'une personne à l'autre, ce qu'on ressent n'a peut-être pas non plus, n'est peut-être pas équivalent à ce qu'une autre personne va penser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par exemple, Mme Pinault. Une partie du travail, et puis je ne suis pas une spécialiste là, des salles d'urgence, le petit peu que j'en ai vu avec moi ou mes enfants. En fait, j'ai l'impression que déjà, ça se fait de façon assez algorithmique. C'est-à-dire qu'il y a certains critères qui sont établis sur lesquels l'équipe s'est entendue pour décider la priorité des patients. Et puis, une fois que ce protocole-là est en place, les gens ont tendance à le respecter. Là où les humains qui pratiquent la médecine, ils vont de leur jugement, c'est beaucoup plus dans une compréhension de la situation. Donc, d'essayer de comprendre les dépendances entre les différents symptômes du patient, ainsi de suite, ce qui est beaucoup plus difficile pour l'instant à réussir avec nos intelligences artificielles qui ont vraiment une compréhension beaucoup plus en silo de l'information. Donc, on peut prendre une image, on peut prendre la température, la pression, mais on n'aura pas un portrait aussi nuancé du patient. Mais la partie algorithmique de décider la priorité, puis tout, c'est plus facile à faire pour les algorithmes. I'd like to know what you think about that, Dr. Manuel, in a clinic, for example, the first contact. There's several hospitals in Canada. I can't speak to France, but there's definitely hospitals in Canada that are definitely doing what you're talking about, like looking at that. In Toronto, here, Ottawa rule emergency rules. They're known around the world. Right now, the rules are: do you have a broken ankle? Do you have sepsis? They're individual rules, and that group of researchers are now looking exactly what you're saying. Can we move away from individual rules and just start at that triage stage? And we definitely have conversations about this sort of every week. So I think it's definitely credible and an example too, where you know, you're involving the patient more. Like, you know, as soon as the patient, you can do that before you go to the emergency department. Do I need to go to the emergency department? And then even when you arrive there, you may be, even if you're triaged by the triage nurse, you're then, if you're medium low risk, you've got time and start answering questions about your chest pain. And having that information further triage you and may elevate you. Like if you're answering questions that are put you at higher risk, then you get triaged to that faster track. So definitely on the thought process for researchers here in Canada. Yeah. But a patient could badly evaluate the situation, or let's say he wants to go faster. He has to say that it's very important what he has, so that he knows that they won't wait for him to get in a room and. Get something to be done, no? Yeah, I'm not sure if I understood that entirely, but yeah, an example would be one of the researchers' family members died of sepsis in the Ottawa Hospital where I work, and that spurred this, you know, how can we more, sepsis can take on very quickly, and you can die very quickly, and so when that was assessed, could we have speed up that process, and using the information systems and algorithms to assist that. Oui. Monsieur Moutam, sur ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je parle de triage, mais ça peut être à d'autres niveaux où le patient a un rôle important à jouer dans le fond. Alors justement, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Au niveau de triage aux urgences, hein, c'est un problème algorithmique qui est bien compris.
Au Canada, on a le système des CITAS de 1 à 5 qui permet effectivement de trier et des nurses, les infirmières au triage le font très très bien. Et l'approche est vraiment algorithmique, comme le disait Joël. Un problème qui est beaucoup plus complexe à résoudre, c'est celui que Doug a mentionné sur la septicémie. Septicémie. C'est comment, pour un patient qui rentre à l'hôpital, comment détecter que ce patient va avoir la septicémie dans les heures à venir et comment anticiper et prévenir ça. Plutôt que, comme c'est le cas à l'heure actuelle, on s'en rend compte assez tard et on est obligé d'envoyer le patient aux soins critiques pour cela. Et donc le problème de reconnaissance anticipée de quelqu'un qui va être septicémique, c'est en fait une analyse de pas mal de paramètres, beaucoup plus de paramètres que pour un triage aux urgences, par exemple. Et c'est flou, ça dépend vraiment des conditions du patient, ça dépend vraiment des autres maladies qu'il a. Et justement, dans ce genre de choses, quand c'est flou, l'intelligence artificielle est très très bonne pour reconnaître des patterns, hein, des séquences, et de pouvoir à ce moment-là dire, quelques heures avant l'expert humain, que ce patient a une très grande chance d'avoir la septicémie. Et dans un cas comme celui-là, le patient intervient à quel moment, pas le patient, mais le médecin ou l'infirmière intervient à quel moment précisément? Donc, pour des patients qui sont, par exemple, soins critiques, l'équipe médicale vient voir le patient pratiquement toutes les heures, ou même beaucoup plus fréquemment que ça, et voit, prend des mesures, fait des tests, et voit comment le patient réagit, et à ce moment-là, donc, arrive un diagnostic. Hein. Donc, l'IA a montré qu'elle peut arriver à ce diagnostic quelques heures, peut-être avant, les médecins. Vous avez beaucoup parlé d'accessibilité au système de santé et bien sûr à toute cette question d'intelligence artificielle. Dans quelle mesure il y a des gens moins favorisés dans un tel système, même si on parle de progrès? Alors, le cas des urgences, je n'y reviendrai pas parce que pour les Français qui sont à la salle, ils savent que c'est une actualité assez criante, voire assez sensible pour le ministère de la Santé et qui renvoie à des problématiques beaucoup plus systémiques que simplement numériques. Et qui rentre dans un contexte de transformation de notre système de santé, et évidemment le numérique participe à cette transformation. Mais pour répondre à votre question, sur effectivement, c'est intéressant quand on a travaillé sur ce débat. Hein. Donc la question qui nous était posée initialement par le ministre de la Santé, demandant à l'instance dont j'ai la responsabilité d'assurer le fonctionnement, qui est une instance qui a l'originalité de réunir l'ensemble des parties prenantes du système de santé, donc les professionnels, les représentants des usagers du système, les industriels, l'assurance maladie, la protection sociale, les élus locaux, les syndicats, le patronat, j'en passe, la liste est longue, et d'essayer de faire dialoguer tout ce monde-là. Et effectivement, quand on s'est intéressé à ce sujet, ça a été le choix de se centrer sur la santé connectée et avec l'originalité de poser la question du point de vue des inégalités. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure sur le scepticisme de certains à l'encontre des technologies numériques a été un peu déçu. C'est-à-dire qu'effectivement, notamment dans le champ du handicap, par exemple, des limites de capacité, on s'aperçoit que le numérique peut au contraire être un facteur supplémentaire d'autonomie dans la communication, par exemple, où des gens qui n'avaient pas accès à la communication, grâce au numérique, peuvent avoir accès à la communication. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu de vision assez clivée des innovations qui sont aussi assez historiquement, on voit à chaque fois qu'il y a une phase d'innovation, il y a toujours des visions clivées. Mais sur les points qui étaient un peu le plus critique sur les inégalités, c'était qu'effectivement, il y avait notamment toutes ces inégalités au plan social, et effectivement dans les connaissances que les gens ont. Et on retrouve cette thématique que Karine Lefeuvre a mentionnée tout à l'heure, qui est la question de la littératie. Ou s'agissant numérique, on parle aussi de numératie, c'est-à-dire finalement la capacité de compréhension que peuvent avoir les gens. Donc Karine Lefeuvre parlait par exemple du facile à lire et à comprendre pour des gens qui ont un certain retard mental. Souvent, j'ai dit, même pour moi-même, des choses écrites très simplement, je le perçois, sont beaucoup plus simples à comprendre. Et parfois, on écrit des choses de manière beaucoup trop complexe, on ne fait pas cet effort de simplification. Et donc, sur le numérique, ça a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'une des conclusions, c'est la nécessité de former, mais former aussi les usagers, je dirais former le citoyen à ce que, par exemple, à ce qu'est la donnée, qu'est-ce qu'elle implique. Hein, les gens se disent, bon, voilà, on va nous manipuler avec des algorithmes, mais il faut aussi que le citoyen puisse être formé, sensibilisé
à ce que sont les algorithmes, ce qu'est la donnée, ce qu'elle peut fournir, ce qu'elle peut ne pas fournir aussi, et être, avoir une sorte de maturation démocratique, à la fois au niveau individuel, quand on est un patient avec son professionnel, mais aussi au niveau plus global, plus holistique, pour tout citoyen sur ces sujets. Ouais, Madame Pinault, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises. C'est une préoccupation, l'accessibilité aussi dans vos recherches actuellement? Absolument. La question se pose tout le temps. J'acquiesce surtout parce que j'ai travaillé, entre autres, sur l'utilisation de la robotique pour le domaine des gens avec problèmes de mobilité, donc la construction de fauteuils roulants automatisés et puis tout ce que ça permettait au niveau de la mobilité dans les grands environnements. Donc, c'est une problématique qu'on a pu étudier. Et puis, on a eu l'occasion de vraiment se poser des questions, à savoir, bon, dans notre cas, on voulait développer un fauteuil roulant intelligent. Donc, on prend un fauteuil roulant commercial sur lequel on pose toutes sortes de capteurs, d'ordinateurs d'abord. Mais vraiment se poser la question, comment on conçoit cet outil-là de façon à ce que ça puisse être utile, qu'on ne le fait pas de la même façon qu'on ferait un autre robot, que ça soit une auto intelligente. Donc, vraiment d'avoir des belles discussions avec la communauté des utilisateurs de fauteuils roulants et puis des gens qui les entourent pour vraiment développer ça dans un cadre pour que ça soit utile. Et puis, ça prend beaucoup de temps d'avoir ces conversations-là et puis de poser toute la question d'utilisation de la technologie de façon à ce que les gens puissent comprendre. Parce que souvent, l'outil, il n'est pas conçu, notre fauteuil n'était pas fonctionnel. Donc, comment on leur présente ça pour pouvoir solliciter leurs suggestions, mais de façon à ce qu'ils comprennent Alors, ce que vous nous dites, c'est que si les gens n'ont pas au départ des connaissances de base, quoi, en médecine, sur leur santé, ils vont avoir de la difficulté à donner cette information-là, puis évidemment qu'elle sera mal analysée si on part d'un produit de base qui est déficient. Dans ce cas-ci, c'est même des connaissances par rapport à la technologie. Parce que pour se projeter à savoir comment les outils pourraient les aider, il faut qu'ils comprennent les possibilités. Des fois, les craintes, les méfiances ne sont pas les mêmes d'une part et d'autre. Dans notre cas, les gens s'inquiètent beaucoup des lasers, entre autres, qui pourtant ne posent pas de problème à la santé, mais tandis qu'il y a toutes sortes d'autres problèmes qu'on pourrait voir. Dr. Manuel, do you see people that have they don't want to talk with a robot, a machine? They want to speak with a doctor, but you have to explain them that the result might be better if they go through that. Yes, for sure. Even in our own work, you know, both my parents died recently, and our family struggled with knowing, you know, when to take off time to help our parents. And I saw, even as a patient, that the struggle kind of having that discussion. So we said, we can create algorithms to help through this process. And we created them just for people. You know, like we said, I'm the problem as a doctor. You know, I'm not having good conversations. So we created it for people. And then they say, no, we don't want to do that ourselves. We want to have that conversation with you, even as a doctor, even if you don't want to have it. So we see that. And I think in the literature, the vast majority of people want to have that shared care model, and that's not going to change. You know, it maybe if you want to, lose weight, you go to the app. But if you've got a breast lump, you know, if you've got something important, you're going to want to talk with a human. And I think one thing that we didn't talk about so far today, that I think really that medical crucible is interesting test case, is that concept of human frailty, you know, that you want to talk with someone who is also going to die, or who has seen people go through this, and you don't want to talk to a machine for that. You want to talk with a human, and I think that's very clear in the literature and the research as well. So I think physicians are by far really kind of interested in AI, and not worried at all that it's going to replace them. People talk about that. I go to all these meetings, and physicians don't talk about that. They talk about the ability to have more time to talk about patients. So have all that work up front done, and then spend more, like right now, that EMR and that computer system has been really struggle for physicians, and trying to communicate with the patient while typing. And the hope is that that's going to be abstracted away, and that math and all that work's going to be done, and now we can talk about values and preferences, and that human element of medicine. Dr. Moutam? Oui, je voudrais ajouter un exemple.
où la résistance devient de, par rapport à l'IA ne devient pas forcément du patient, mais vient du côté médical. Alors, en 2013, il y a Johnson & Johnson aux États-Unis qui a introduit un système, une machine qui s'appelle Sedacis, pour faire de la sédation, pour anesthésier les patients lors d'une colonoscopie. Alors, c'est une machine basée sur l'IA qui est capable de contrôler l'injection de l'anesthésique au fil de la colonoscopie et de maintenir au bon niveau en fonction des réactions du patient, en fonction de l'état du patient en temps réel. Cette machine a été approuvée, certifiée par la FDA, et donc elle a été utilisée dans plusieurs hôpitaux avec des succès vraiment très très probants. Les malades l'aiment bien parce que la machine délivre une nouvelle drogue, le propofol, qui en fait est éliminée rapidement de l'organisme, et les patients se réveillent en étant clairs, ils restent moins longtemps à l'hôpital, donc les patients ont été vraiment très contents de ce nouvel appareil. Les gastro-entéros qui font la colonoscopie sont très contents aussi parce que eux, avant la machine, ils étaient obligés de faire en fait l'anesthésie eux-mêmes parce que il y a un problème pour trouver des anesthésistes actuellement aux États-Unis. Et donc, n'étant pas des spécialistes du propofol, ils utilisaient des anciennes molécules. Et pour eux, le fait d'avoir la machine, ça a simplifié la vie grandement. Pour l'hôpital, c'était aussi un avantage parce que chaque session avec la machine coûtait $200. Alors que s'il fallait un anesthésiste pour la colonoscopie, ça coûtait, dans ces hôpitaux-là, $2000. Donc, en fait, tout le monde y trouvait son compte. Seulement, quelques mois après que la machine soit mise sur le marché, la Société américaine des anesthésistes a porté plainte. Elle a porté plainte, donc justement, contre Johnson & Johnson et a commencé à monter une campagne négative. Ils avaient peur simplement que leur job soit menacé par cette machine. En 2016, Johnson & Johnson ont capitulé et donc ils ont arrêté la commercialisation de l'appareil. Donc c'est un exemple où pas mal d'acteurs étaient intéressés par cette innovation et où en fait c'est le corps médical qui s'est retranché. Et ces craintes sont parfois justifiées, hein, mais ça c'était un cas où vraiment la plupart des acteurs étaient d'accord sur les bénéfices de cette machine. Mais quand on développe, Dr. Pineau, quand on développe les algorithmes, est-ce que c'est possible que certains groupes soient exclus de cet algorithme-là en termes de possibilités ou autre? Il faut savoir, en tout cas dans les dernières années, la presque totalité des algorithmes qu'on développe, quand on parle de l'IA, c'est une branche particulière de l'IA qui est l'apprentissage machine, donc le fameux machine learning. Donc, dans ces cas-là, c'est un algorithme, bien sûr, mais qui apprend à partir des données. Donc, les données sont présentées, l'algorithme digère ces données-là, analyse pour trouver certains patterns qui peuvent être utilisés après pour faire des prédictions, des décisions, ainsi de suite. Donc, il y a une question qui se pose, à savoir d'où viennent les données, et puis est-ce que les données sont représentatives de toute la population? On a entendu parler un peu plus tôt de l'algorithme qui fait la détection de lésions cutanées par rapport au cancer de la peau, qui, si on lit l'article, ça a l'air fantastique. Le taux de réussite est vraiment meilleur que les médecins. Mais il y a eu des études par la suite qui ont démontré que ce type d'algorithme est beaucoup plus efficace sur la peau des gens qui ont la peau claire que les gens qui ont la peau foncée. Donc là, il y a une problématique qui se pose, à savoir, est-ce qu'on déploie un algorithme, sachant, je prends des nombres un peu au hasard, là, mais sachant qu'il y a un taux de réussite de 90 % en moyenne, mais que dans le jeu de données qui a été utilisé, il y avait seulement 10 % des gens qui avaient la peau noire, et puis sachant que quand on utilise cet algorithme pour cette population-là, après, le taux de détection tourne surtout autour de 30 ou 40 % plutôt que le 90 % promis. Comment on s'enligne? Il faut faire attention. C'est assez bien connu. Je mettrais peut-être une petite perspective additionnelle sur cet exemple-là, qui est la suivante. C'est pas nouveau dans le domaine de la médecine qu'il y a des biais dans les données. C'est pas nouveau que la prescription des traitements, que les décisions médicales sont faites en fonction de données qui n'ont pas été collectées de façon représentative. Pendant des années, les compagnies pharmaceutiques ont testé des médicaments sur les hommes et pas sur les femmes. Et puis après, faisaient des recommandations pour tout le monde. Le problème n'est pas nouveau, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui le cause, mais l'intelligence artificielle peut l'amplifier, surtout quand les gens ne comprennent pas comment les algorithmes sont utilisés puis comment les données sont utilisées.
Je vais revenir sur votre exemple parce que ça pose toute la question de responsabilité, mais d'abord, peut-être réagir parce que vous avez eu à penser aux politiques, justement, qui font référence à ce genre d'exclusion-là. C'est pas évident, là, parce qu'on est on nage parfois dans des zones assez nébuleuses, assez gris comme situation. Oui, parce que c'était, donc, quand je disais, une instance qu'on appelle, Karine Lefebvre a encore une fois mentionné le concept tout à l'heure, la démocratie en santé. La démocratie en santé, elle a deux composantes. Une composante individuelle, une composante collective. La composante individuelle, c'est les droits des usagers au-delà des patients. Donc, j'ai des droits. Droit à connaître mon dossier médical, par exemple, droit aussi à participer à la décision de soins, droit d'exiger de parler à un docteur plutôt que, par exemple, d'avoir à répondre aux questions d'une machine devant lui. Alors ça, c'est vrai que de notre travail, c'est quelque chose qui, alors en droit, je ne sais pas aujourd'hui, je ne pense pas que le droit aujourd'hui est en tout cas au niveau normatif. Hein, je ne parle pas au niveau jurisprudentiel. Qu'il y ait une ressource, en tout cas claire, dans mon esprit pour pouvoir vous la citer. En revanche, c'est quelque chose qui est revenu de notre consultation, c'est qu'effectivement, les gens demandaient au maintien justement de cette relation humaine au-delà de l'innovation numérique et se dire qu'effectivement, bien sûr, il y aura un progrès avec la machine, mais il faut garder cette relation humaine possible. Bon. Et que d'ailleurs, va potentiellement, non pas remplacer les professionnels, mais peut-être transformer la place du professionnel, et notamment dans tout le champ des diagnostics. Donc, il y a cette côté de droit, mais il y a un côté aussi un peu plus collectif, c'est la participation à l'élaboration et à la conception des politiques de santé. Et où il y a un aspect qu'on n'a pas mentionné, qui est l'aspect du développement des consultations en ligne par les pouvoirs publics sur, notamment, qui est mon domaine, les politiques de santé. C'est vrai dans d'autres domaines. Mais on retrouve des problématiques voisines, parce qu'effectivement, où là, ce n'est pas le numérique qui est en cause, c'est la manière dont on l'utilise. Et par exemple, dans le champ de la définition de politique de santé, comme d'autres politiques, on peut être tenté de voir dans l'outil numérique quelque chose de facile, de moins coûteux, que d'aller réunir des gens pour dialoguer avec eux et écouter ce qu'ils ont à dire. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que, je reviens alors directement à votre question, c'est la question de est-ce qu'on a aussi une expertise qui nous permet simplement de répondre, est-ce qu'on a les connaissances, et quand nous on s'est intéressé à la santé connectée au regard des inégalités de santé, j'avais fait la littérature, il n'y avait rien sur le sujet. Et là où effectivement aller vers le profane, vers le savoir d'expérience, c'était utile aussi pour pouvoir identifier des conditions qui permettraient de mieux prendre en compte ces considérations. Donc c'est là où il y a une technique de consultation, donc c'est un petit peu en marge de notre cœur de sujet, mais c'est important aussi, c'est la technique de consultation. Et donc, effectivement, développer cette participation où on peut solliciter des gens qui sont totalement profanes, mais évidemment de manière organisée, en partageant l'information, en posant le plus clairement possible la question, ça nous a, en tout cas, nous, beaucoup équipés. Je vous rappelle que vous pouvez vous déplacer vers les micros. Il y a toujours le système Slido. On va prendre une question que je vais adresser à vous, Dr. Manuel. What are the barriers to routinely using routinely collected data to enable us to have a high-performing learning system that's based on evidence patients expect or assume we're doing so? What do you think about that question? I'm just thinking through that question, but of concern to me is that, you know, kind of New Zealand's been doing this for 20 years, and that we're just now, like for that algorithm for heart disease, we're just now validating it using the routinely collected data. So why have we been not able to do that? We're, you know, a country with more sheep than people, or you know, are able to, 5 million people are able to do that, I think it's a bit of a complex question, I guess, in some ways. Like, our data is so fragmented, it's lots of different places, it's a balance of privacy. We have a lot of this data collected, and then we don't have a computer process for it. Like, our EMR systems, the family docs have so many different versions, and New Zealand, we're able to do it because they had one version, and UK they have two, and so they have they're ahead of us here. I don't know again what it is in France, and then even where we have, I think one challenge that we have right now is that even when we've been using data for 20 years from, I think the best data that we've had in Canada for validating algorithms,
for equity purposes. And it's been 20 years Canadian Community Health Survey, and today it's now in our high performance computing environment, and we may not be able to use it because of these legal concerns. And Statistics Canada feels like they need to bring that data back to Statistics Canada and not have it used in the provinces. And I sit at Statistics Canada, so I see these challenges about being able to use the data in a secure environment, and at the same time, us not being able to then link it to other sources of data or use it in a higher performance computing environment. So I don't know, I'm rambling on, but it's a challenging question, and I think it goes throughout our entire healthcare system of how we're collecting data, mm-hmm. how our privacy is using it. Mm-hmm. Dr. Pinault, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'allais abonder un petit peu dans le même sens, puis vous y êtes venu où j'allais aller. C'est-à-dire, il y a vraiment cette tension-là entre l'utilisation des données, l'information qu'on peut en retirer, et puis toutes les problématiques qui se posent par rapport au respect de l'intégrité des données, la vie privée, puis tout ça. Puis on est vraiment à un moment charnière par rapport à cette question-là. C'est-à-dire, on a une montée fulgurante de la puissance des algorithmes, la montée de l'intelligence artificielle depuis 5 ans. Et puis en même temps, puis c'est bien que ça se fasse, toute cette réflexion-là par rapport à qui a le droit d'avoir accès aux données, qui a le droit à l'oubli, entre autres, et puis l'interaction entre ces deux choses-là. Donc, si on se projette dans un modèle où est-ce que les données rentrent, il y a un pipeline de données qui rentrent, puis on met nos algorithmes à date tous les jours, puis on confronte ça avec le contexte, notamment en Europe, le GDPR qui est en train d'être mis en place, qui donne le droit à l'oubli. Là, j'ai un modèle qui est basé sur 20 ans de données. Tout d'un coup, il y a une personne qui décide qu'il va être retiré de ce modèle-là. C'est un petit peu comme dire, vous êtes venu passer la semaine à Ottawa, puis là, on va enlever toutes les poussières que vous avez laissées sur votre passage. Donc, ces petites poussières-là de données sont propagées dans toutes sortes de modèles. Mais c'est extrêmement difficile d'enlever ça. Donc là, on est un petit peu à un moment où est-ce que les gens se disent, est-ce qu'on arrête tout ça? On utilise les données de façon très limitée dans des contextes très déterminés pour ne pas s'exposer à ces difficultés-là. Mm-hmm. Très intéressant. Puis ça soulève une question qui va devenir de plus en plus importante. C'est la question de la responsabilité. Au fur et à mesure que l'algorithme va être puissant, ça va être très tentant de laisser de plus en plus de décisions. On va y revenir tout à l'heure, mais j'ai dit qu'on prendrait les questions au fur et à mesure. Vous pouvez y aller avec une question et peut-être à qui vous l'adressez particulièrement. Merci et bonjour à tous. I'm Michael Wolfson from the University of Ottawa. Picking up on this question about why is it sometimes difficult to put together the data to do the analysis, let me start with the example that Doug gave about the Framingham risk function and Canada spending twice as much as it really should be on statins. Whose interest is it to keep spending lots of money on statins? Let me ask a different question. Suppose one really did have access to longitudinal microdata that you could link, and in fact I've done this, and you find out that some parts of the country have 3 times as many revascularizations for heart attacks with no effect, discernible effect on the mortality outcome. Who's going to be worried about, and it was a real pain in the butt to put those data together, who's going to be opposed to having more of those kinds of data readily available? I hate to bring up a kind of a cynical question of qui bono, who's afraid, where are the vested interests here, but I would commend to everybody in the room to think about that. And if I could switch to a different topic. As the conversation has gone on, I think the two words are hype and understandability. Is AI getting too much attention here? Because the kind of risk function that Doug referred to and a lot of the analysis that the algorithms that go into your insulin pump are based on statistical methods that are decades old. And maybe it's fashionable and you can get funding if you say you're doing AI, but really you're just doing often conventional or higher end, but not hugely higher end statistics. But in some cases, and this is really the case with neural networks, you are creating black boxes. So where are we at in terms of, you know, the question came up earlier about how should people trust these, in this case, more seriously, artificial intelligence systems. And so I'd be interested in the panel's views on explainability.
Comme vous avez interpellé un petit peu le docteur Manuel, voudriez-vous répondre à ça? Well, Michael had three or four questions in there, I think. But explainability, the I guess. One you prefer. Well, well, let me just, I mean, just wind back a bit about the data, too, because I felt I was rambling. But there is an article in Globe and Mail, maybe I'll answer that and then go to explainability. But there's an article in Globe and Mail a few weeks ago, so our national paper for those from France. And it was talking about a patient who was quite well informed that had to pay $1,000 for their parents' medical record. And then it comes in PDFs and things like that. So that's wrong, right? I mean, that's clearly, and that I'm not the privacy expert. You guys are in here. But I'll tell you from a technology perspective, that's not correct. I mean, that doesn't make sense. So, and when I see patients, I'm looking at them and saying, like, you have the right to have your data used, and all our data used to improve your care. And so, I mean, it's complicated, but it's not complicated. You know, I think that $1,000 for your chart to not be in usable form, and us fundamentally not being able to use that information to improve your care, you know, we're off mark on that. I mean, explainability, I think from the physician perspective, I have a slightly different viewpoint as well, because I sort of say, you know, we've had these superhuman tools for a while now, my favorite place to see the superhuman tools is our national museums here in Ottawa. And you go to the Museum of Science and Technology, and I think one of the first superhuman tools, it's on display, and it's all curated. And when I talk with the curators there, it says, yes, this was clearly very important. The provenance of it is well known, and it's the thermometer. You know, it was brought in around 1900 in mm-hmm. Canada. And now I don't know how the thermometer works in my clinic. I've tried thermocouplers and things like that. It's not a mercury anymore. I can't explain how it works. And I don't care how it works. I care if it works. You know, I care if that temperature is correct or not, and I care whether I know that temperature is correct or not. And so, you know, if I step on a scale, I've tried to inform myself how the scale works. If I step on it and it reads 200 kilos and I'm 100 kilos, then we got a problem. That example of the Framingham risk algorithm, it's like stepping onto the scale and it says 200 kilos when I'm 100 kilos. But I can explain it. I can explain how that calculation was performed. So I think there's a challenge when we can't know how it's not so much for me how it works, but whether it works, and whether we have that learning health system to be able to say, the patient in front of me, do I have a pretty good idea that what's being generated is right? And I don't care if monkeys calculated it or not. I don't care if it's a black box. It's a black box in my head, it's a black box in the patient's head, and our third person in that room now, it's a black box. But I kind of worry less about that third person than me, how my brain, and I'm full of biases. I'm full of biases that are very difficult for me to unpack. Avant de prendre la prochaine question, on va y venir. Monsieur Moutin, vous vouliez peut-être réagir, je vous voyais. Je suis très content, Doug, que tu n'aies pas intéressé dans l'explication, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire pour expliquer à l'heure actuelle. Donc, je suis très content que ça vienne d'un médecin, en fait. En fait, sérieusement, l'explication, surtout dans l'apprentissage profond, le deep machine learning, c'est un des challenges qu'on a à l'heure actuelle. On a beaucoup de mal à pouvoir expliquer comment un réseau de neurones arrive à un résultat. On sait s'il arrive bien ou mal, et en général, il se débrouille bien. En général, les réseaux de neurones, dans certaines spécialités de médecine, arrivent aux mêmes performances que l'être humain. Mais pour pouvoir expliquer comment on y arrive, c'est très, très difficile. Et en particulier, quand le médecin n'est pas d'accord avec la recommandation ou l'approche de la machine, il y a très peu de dialogue possible. Donc, c'est vraiment un domaine de recherche à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas très bien faire. Et c'est la raison pour laquelle on en discute aujourd'hui. Docteur Pinault, vous vouliez ajouter? Oui, en fait, je voulais nuancer un petit peu. Et puis, je suis aussi très contente que vous abondez pas nécessairement dans le sens du fait que la machine est nécessairement plus mystérieuse ou plus un black box que l'humain. Il y a une nuance particulière qui est la suivante.
Quand il s'agit d'un algorithme, entre autres les algorithmes de deep learning, les fameux neural networks, qui fait une prédiction, qui prend une décision, on a toujours la possibilité de vérifier la décision. Donc, on est capable de rouler une deuxième fois la même prise de décision, donner les mêmes données à l'interne, voir tous les calculs qui se font à l'interne, puis examiner. Donc, cette logique-là, on peut l'examiner. Et on n'aura pas nécessairement le même résultat? Ça dépend des algorithmes. Okay. Certains sont déterministes, puis on aura le même résultat à chaque fois. Puis certains ont un élément de stochasticité, un élément d'aléatoire, puis on peut le modéliser. Mais par rapport à l'humain, donc un humain, on présente les mêmes données deux fois, puis ça ne sera pas nécessairement, on n'aura pas la même habilité de vraiment faire une investigation, de comprendre comment ça s'est passé. De la même façon, donc d'une certaine façon, entre les deux, moi, à mon avis, peut-être que c'est l'avis d'une informaticienne, mais la boîte noire est plus, pour l'instant, vu notre compréhension de la neuroscience, c'est plus dans le cerveau que dans la machine. Ceci dit, et puis là où est-ce qu'on se rejoint tout à fait, c'est parce que la machine et l'humain sont appelés à travailler en équipe. Et puis, même si pour moi la machine n'est pas une black box, si elle doit travailler avec un médecin qui ne comprend pas les réseaux de neurones aussi bien, bien là, faut qu'elle s'explique pour qu'ils puissent continuer à travailler ensemble. Puis c'est là où est-ce qu'on a vraiment beaucoup de chemin à faire pour vraiment travailler sur cet aspect-là. Puis il y a des travaux qui se font là-dessus, prendre entre autres les décisions d'un réseau de neurones puis mettre ça dans une fonction, une classe de fonctions beaucoup plus simple qui s'apparente aux statistiques plus classiques. Merci. On va prendre une toute dernière question qui permettra peut-être de faire une conclusion en même temps. Allez-y. Bonjour, Tracy Loriot de l'Université de Carleton. I'm really excited that you talked about empathy and compassion and the human interface to the algorithmic systems in the medical field. That's excellent. You also talked greatly about the benefits and pitfalls, but we just instituted EPIC here in the Ottawa hospital system, and it's been a bit nightmarish, and in fact, doctors are complaining because it's actually reducing their time in terms of being able to see their patients because they're spending too much time entering data in a system that doesn't have a great interface. That's one. But two, we haven't talked a lot about the increasing corporatization of these different platforms and different healthcare devices that are also not interoperable and are also not cybersecure, where the patient does not have agency even over the decision on the device that goes in their body, let alone do they have the right to access their own data about their own body that is being generated on an ongoing basis. They have to go to a hospital, they have to go do other things. And that's like right with the sleep apnea machine and so on. And then we haven't talked a lot about the resale of those data from those systems to not the nice French insurance system, which is the healthcare system, but insurance companies, which could actually ding you and cause you problems depending on the different healthcare platform and system that you have. So I know you're short on time, so I won't continue, but I think you're getting an idea of some of the other concerns. I think the benefits are fantastic once we get there. But these other problems in between, I think we need some kind of regulation or law to be able to deal with those, and I wonder what the panelists have in terms of insight in those areas. Thank you. Parfait. Ça va nous servir de conclusion. Vous parlez de commercialisation des données, vous parlez de consentement aussi des patients. En 30-40 secondes, j'allais y venir de toute façon. J'aimerais vous entendre tous et chacun sur est-ce que, oui, le Dr Corvol le disait, il y a des interventions où on a besoin pour progresser des algorithmes, sinon on ne progressera pas. Mais est-ce que tout se déroule bien présentement ou si ces questions-là auxquelles on fait référence, ça pose encore problème? Je commence peut-être avec vous, Dr Moutam. Donc, la protection des données, c'est un point vraiment très important. Très brièvement. Oui. En Europe, il y a le RGPR, effectivement, qui est en place. En Amérique du Nord, on est en train de travailler activement dessus. Il faut effectivement qu'il y ait une entité supranationale pour assurer effectivement que la confidentialité des données soit protégée. Sinon, ce serait vraiment le Wild Wild West. Dr. Manuel? Well, I think one of the themes I've heard this morning when I was listening is implementation. It depends. It could be good or bad, and it depends on implementation. And I think that was the question that I was thinking. It's about implementation, and it's the hardest part. Like, we have this love affair with the algorithm. And when I look at when our workflow, you know, like the data preparation, right, is like this massive bit, probably 90%. You have the algorithm, and then implementation. And that's 10-fold. 20-fold the work of creating the algorithm. And we see this constantly. I think the concerns are real.
we saw that melanoma app, the last presentation, or algorithm, when we look at the performance of that, if we implement it in Canada, there'd be 100,000 people on the waiting list with the worrisome melanoma or a skin lesion, and we don't even know if the 15,000 people a year that get melanoma are actually going to use that app. And so when the implementation scientists look at that, they are starting to really worry. And it's all about implementation, and that will slowly, I mean, it's coming very slowly. Yeah. Monsieur Méliard-Chéen. Alors, c'est clairement une question que soulèvent les gens. Hein. C'est la question de la confiance, effectivement, et la crainte, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça a été très bien abordé aussi plus tôt. Et il y a aussi un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'à la fois le risque de perdre ses données personnelles, mais il y a aussi l'intérêt de pouvoir les maîtriser, et c'est les craintes du côté des chercheurs aussi. C'est-à-dire qu'ils voient dans la législation européenne, dans la législation française, un risque de frein pour leur recherche, pour ne pas aller suffisamment loin dans l'information. Et je terminerai par une boutade, vous savez, c'est la formule de Gramsci qui est assez connue, qui parle du pessimisme de l'intelligence et de l'optimisme de l'action. Et finalement, je trouve que c'est un dualisme un peu artificiel, où je peux dire qu'il y a finalement un mariage de l'action et de l'intelligence qui est à chercher. Oui, docteur Pinault. Écoutez, je pense que c'est tout à fait des problématiques auxquelles il faut s'attarder et vous s'intéresser. Pour revenir peut-être très brièvement sur la question des données, je pense qu'il y a du travail à faire de tous les côtés, de la part des usagers, vraiment de s'informer, de comprendre, et puis même de la part de nos gouvernements, de voir s'il y a une façon de supporter et puis d'encadrer l'utilisation des données, là. Il y aura à creuser des notions de data trust, puis tout ça qui peuvent être intéressantes pour voir comment on permet de préserver l'autonomie des gens qui contribuent leurs données et puis permet l'avancée qui est possible avec ces données-là. Bien voilà, c'est ainsi qu'on va conclure cette table ronde. J'espère que vous avez trouvé cette table ronde enrichissante. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est intéressant de s'y intéresser, qu'on soit dans le domaine, qu'on fasse de la recherche ou qu'on soit patient, tout simplement. Les décisions doivent se prendre du haut vers le bas, mais aussi en tenant compte de ce que pense, bien sûr, le bas dans ce genre de situation-là. Je remercie Dr Moutam, Dr Manuel, M. Méliand-Chénin, Dr Pinault. Merci beaucoup et merci pour vos questions et votre attention, votre intérêt. Merci à tous. Et le dernier remerciement sera pour M. Bouchard, qui a encore une fois fait un excellent travail d'animation. Alors, on va passer à une pause. Je soupçonne qu'on va vraiment essayer de nous garder sur l'agenda prévu. On va se reprendre d'ici quelques minutes, j'imagine.